Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Emmanuel Macron une fois de plus. En fait, vous avez été extrêmement nombreux à m'écrire et à me demander ce que pouvaient cacher les déclarations pelliqueuses d'Emmanuel Macron, même si depuis quelques jours il est calmé. On entendait quand même fortement Emmanuel Macron, presque c'est tout juste s'il n'allait pas envoyer nos troupes le lendemain combattre sur le front. Qu'est-ce qu'il cherchait à cette provocation Eh bien, regardons. Je vais prendre déjà l'oracle G. On va le positionner ici. Et puis on va prendre l'oracle de Béline. Et on le met ici. Et donc la question que je vais poser aux deux oracles, quelle carte représente ce que cache Emmanuel Macron dans ses déclarations. Je vous laisse regarder quelques instants. Alors, on y voit, je vais les mettre au milieu, je les remonterai après. Deux cartes. L'oracle G nous montre une étoile. L'oracle de Béline nous montre une carte solaire, la carte nativité. Et pour comprendre ces deux cartes, il faut réfléchir et remettre en perspective ce que Emmanuel Macron peut chercher. La nativité montre une naissance, une renaissance. Bien sûr, il ne cherche pas à avoir un enfant. Vous voyez que pourquoi il faut faire attention avec un oracle, quand les mots sont écrits, à les remettre dans une voyance? holistique, intelligente. Si je vous dis qu'il cherche à avoir un enfant, vous comprendrez bien que ça n'a aucun sens. En fait, l'idée de naître, de renaître, eh bien tout simplement, il cherche une solution, puisque les septénaires du Soleil sont des porteurs de solutions. Le Soleil, c'est toujours ce qui réchauffe, ce qui donne des solutions. Et ce qu'il cherche, eh bien c'est tout simplement continuer à être président. En fait, qu'on le dise comme d'une façon ou d'une autre, il cherche la possibilité d'un troisième mandat, de prolonger son mandat. Il ne souhaite pas s'arrêter. Et pour cela, il souhaite tout simplement son chemin, continuer son chemin. Il souhaite prolonger. C'est ce que les deux oracles, chacun à sa manière, nous indiquent. Macron ne veut pas passer la main. Et regardez si on fait un tout petit peu attention regardez comment l'actualité donne raison à l'oracle vous avez vu dernièrement une perquisition chez édouard philippe la bonne blague on a l'impression que c'est le même coup que pour fillon tant qu'édouard philippe ne se présentait pas ou ne disait rien officiellement il n'y avait pas de problème d'un seul coup il nous parle qu'il souhaite être président il se présentait pour 2027, perquisition. On voudrait la battre, on n'agirait pas autrement. Alors ce n'est pas que je sois pour Édouard Philippe, pas du tout. Ça n'a aucun, aucune importance d'ailleurs, ce, ce que je souhaite. Mais si on regarde, le timing, le timing est quand même troublant. Et là on comprend bien qu'Emmanuel Macron prépare sa propre succession. Prépare sa propre succession avec ses propos belliqueux. En fait, il cherche la guerre pour se maintenir au pouvoir. C'est tout bête, ça s'appelle un coup d'État. Un coup d'État officiel, un coup d'État permanent, mais c'est quand même un coup d'État complètement injustifié et injustifiable. Sauf à ses yeux, parce qu'il se dit si nous sommes en guerre, eh bien je me maintiens, je supprime les élections. Ça vous rappelle rien Ça commence par un Z et ça se termine par un Y ou par un I. Je sais même plus l'orthographe du nom, j'en suis désolé. Zelensky, c'est un I. En fait, c'est la même façon d'agir. Il veut à tout prix rester président. Déjà parce qu'il ne risque rien. Vous savez qu'il est protégé, il a l'immunité, mais aussi parce que tout bêtement, il y a une forme de dictature dans tout ça. Alors, la question suivante, eh bien, ça va être de savoir s'il va réussir ou pas. Et donc, je vais poser la question, même si par rapport à tous les tirages que j'ai déjà fait, si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez la réponse. Mais on va le faire vis-à-vis -vis de nos institutions, parce qu'on va voir si elles vont laisser faire ou enfin bouger. Comment vont évoluer nos institutions vis-à-vis du souhait belliqueux d'Emmanuel Macron. En fait, beaucoup se demandent, qu'est-ce qui se passerait si Emmanuel Macron déclare la guerre à la Russie Eh bien, regardons. Déjà, on a l'impression, avec cette carte mercurienne, c'est que des discussions vont s'engager. Dans ce cas-là, les institutions vont commencer à se parler. Regardez les textes de loi. On n'a pas l'impression, on aurait eu la carte appui, je vous aurais dit directement, ils vont suivre. Ce n'est pas le cas. Là, ils vont se référer à la loi et rien qu'à la loi. Nous sommes avec Mercure. Mercure, c'est les discussions. Ce sont tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est réseau de vie en fin de compte. Là, les institutions commencent à lire les textes de loi avec intelligence, je pourrais dire ça, en fait, avec connaissance, en fait, avec prudence aussi. Alors, ce qui va aller contre ce que vont faire les institutions, eh bien, c'est Emmanuel Macron. Nous avons l'étoile de l'homme. Nous avons tous les ingrédients du dictateur. Dans toutes les révolutions, dans tous les coups d'État, il y a un Parlement. Un homme s'oppose au Parlement. À la limite, fait enfermer les députés, il prend le pouvoir et on n'en parle plus. Je schématise, je n'ai pas dit que c'était ce qui allait arriver, mais vous voyez bien qu'on retrouve Emmanuel Macron pesé de tout son poids. Et le conseil, eh bien, c'est de montrer à Emmanuel Macron que c'est lui l'ennemi. Il y a bien donc une invitation à l'oracle, de l'oracle, pardon, à ne pas laisser Emmanuel Macron... Faire ce qu'il est en train de faire, finalement faire ce qu'il va faire. C'est une, une lapalissade, je dirais, mais l'oracle dit qu'il ne faut pas laisser un dictateur prendre les rênes du pouvoir en France. Et ça peut se comprendre, la France est une puissance nucléaire, on ne peut pas donner le bouton de l'arme nucléaire à un psychopathe, à un fou dangereux. Et quelqu'un qui ne respecte pas. Finalement, les institutions qui lui ont permis d'être mis en place. Il y a donc une vraie tentation chez Emmanuel Macron d'utiliser la guerre Ukraine Russie à des fins personnelles. Et regardez bien. Souvenez-vous de la question. C'est comment vont évoluer les institutions vis-à-vis d'une tentative de prise de pouvoir d'Emmanuel Macron, qui va passer par une tentative de durcir le ton vis-à-vis -vis de la Russie. Il hein. ne faut pas voir que d'un seul coup, Emmanuel Macron va dire Je prends le pouvoir. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Emmanuel Macron est quelqu'un de beaucoup plus retors que ça, beaucoup plus pervers, finalement, dans tous les sens du terme. C'est vraiment l'idée d'essayer de manipuler l'opinion publique de manipuler les institutions et les politiques. Sauf que là, en face, ça relie la loi. La loi, rien que la loi. Et regardez, ici, nous avons une opposition ferme. Les institutions, c'est-à-dire le Sénat, c'est-à-dire les députés, eux si tendres quand il s'agit de s'opposer à Emmanuel Macron, là, ça ne marchera pas. Ils seront en opposition et feront. Emmanuel Macron ne pourra pas, et je dis bien, ne pourra pas briguer un troisième mandat, quoi qu'il fasse vis-à-vis -vis de la Russie. Il pourra se rouler par terre, les menacer, monter sur les tables, enfin faire tout ce qu'il a envie de faire. Il ne pourra pas renverser les institutions, prétendre à un troisième mandat, qui serait un coup d'État, parce que légalement, il n'a pas le droit de le faire. Hein. Il pourra donc chercher une guerre avec la Russie pour se maintenir, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il n'y aura pas la guerre, mais ça, je vous l'avais dit dans une autre vidéo. Je vous avais dit qu'il ne pourrait pas déclarer la guerre, qu'il n'y aurait pas de Français, de soldats français, enfin de qui iraient sur le front. Je vous ai dit, il y aurait des gens qui iraient, mais qui ne seraient pas sur le front. Eh bien là, déjà l'actualité me donne raison, mais. Il n'y en aura pas plus après. Et bien au contraire, de toute manière, les institutions, quoi qu'il se passe en coulisses, vont de toute manière bloquer Emmanuel Macron, parce que là, il y a un problème démocratique et pour une fois, tout le monde se réveille. Tout le monde se laisse marcher sur les pieds tout le temps. Mais là, il y aura opposition face à Emmanuel Macron, qui ne briguera donc pas. Un troisième mandat après 2027, nous ne le reverrons pas en politique, je vous l'avais dit aussi, et nous ne le reverrons pas comme président de la République. Fort heureusement. C'est mon avis en tout cas, et c'est ce que nous a montré les cartes depuis le début, depuis deux ans. Je vous ai toujours dit qu'Emmanuel Macron, numéro 2, serait pire que le numéro 1, et on l'a vu. On l'a vu. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous aura rassuré sur ce qui se passera, malgré les tentatives finalement en coulisses d'agir et de passer en force, et de durer dans le temps, de devenir peut-être Emmanuel premier à vie, eh bien ça n'ira pas, ça ne se fera pas, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.